Bien le bonjour à tous et bienvenue dans l'un de mes jeux de mon inspiration, Bugs Bunny Voyage à travers le temps. Je suis Ultimate John Doom. Comme vous le saviez, avec beaucoup de plaisir et aussi de mon inspiration et nostalgie évidemment, je vais faire ce jeu, ce mode d'aventure en fait, parce que en réalité, je souhaite entièrement montrer de la passion au rétro gaming à tous les personnages qui sont fans des Looney Tunes et aussi Bugs Bunny, qui le doubleur évidemment, pour vous montrer entièrement quelle est la manière de jouer que je fais. Voilà. Bon, on va commencer un tout nouveau gameplay sur Bugs Bunny. Je vous laisse avec la cinématique. Beach. Hey, une petite minute. Ça ressemble pas à Pismo Beach. J'aurais peut-être dû tourner à droite à Albuquerque. Oh, regardez-moi la taille de ce distributeur de jus de carotte. Je crains, Bugs Bunny, que tu... Hop là! Tu vas être transporté dans le temps. Pour un début à tout, il faut commencer par ici, nulle part. Bon, où est-ce que je suis? Peut-être que la personne qui vit dans ce silo pourra me dire où je me trouve et comment je pourrais m'en aller d'ici. Entrez donc. Comment allez-vous? Je m'appelle Merlin. Je suis un sorcier. Oui, vraiment un sorcier. Oh, ce que j'aimerais voir un sorcier. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien sûr, que ne ferais-je pas pour faire plaisir à un invité? Dites donc, c'est un tour assez chouette, Merlette. Et ça, vous savez le faire? Imiter les gestes, c'est pas franchement utile. Dans les mondes de Looney Tunes, c'est tout est permis, dans ça les gags et aussi. Mais je ne suis pas plus près de mon terrier pour autant. Désolé d'interrompre cette démonstration très amusante, hein, mais vous pourriez me dire où je suis? Mon cher, il semble que vous soyez perdu dans le temps. Ici, c'est nulle part. Nulle part! Et vous savez comment je pourrais retourner, enfin, quelque part? Oh, bien sûr, je sais. Vous devez passer d'une époque à une autre et trouver des symboles comme celui-ci. Ils vous permettront d'atteindre d'autres périodes et de rejoindre progressivement le temps présent. Très bien, Lapin. Écoutez attentivement. Obtenez 10 de ces objets pour recevoir un symbole de pendule. C'est tout pour l'instant. Au revoir. Oui, au revoir, Merly. Donc, il faut récupérer 10 carottes d'or pour obtenir un des pendules. Pour dire en fait, le gameplay est différent et aussi, plus particulièrement, les touches au bas, gauche et droite qui permettent de se déplacer dans tous les sens. Sauter la touche X. La touche carré pour frapper à un coup de pied. Et cercle pour s'accroupir. Et évidemment, avancer un petit pas. Le triangle, c'est pour utiliser la vue. Mais à chaque fois qu'il y a des panneaux de Merlin, on peut toujours appuyer sur la touche R1 pour lui demander. Et serre-toi de la touche, regarde autour de soi et élève les yeux. Il y a quelque chose qui brille là-haut. Évidemment, une carotte dorée. Et il y a une chose aussi, ne tombez pas dans l'eau, sinon vous perdez tous les points. Mais autrement dit, il n'y a que des vies
illimitées dans ce jeu. De toute façon, dans le monde des Looney Tunes, les vies sont illimitées. Et la vie est illimitée. Et hop! À chaque fois que vous avancez, vous pouvez récupérer des carottes normales pour particulièrement renforcer votre santé ou en garder de réserve. Lorsque vous courez, essayez la fonction « rouler ». Cela peut être utilisé comme une attaque contre vos ennemis. La touche « rouler », c'est la touche L1. Mais autant dire, on va essayer. Utilisez la fonction saut ou coup de pied pour battre certains ennemis. Combinez les deux fonctions pour certains autres ennemis. Ok. Écrasement. Wow. Psst. Si vous ne pouvez pas atteindre un ennemi qui vous fait face, donnez-lui un coup de pied au derrière. Ça peut fonctionner. Vous pouvez aussi essayer d'abord de le fatiguer. Lorsqu'il s'arrêtera, donnez-lui un coup de pied au derrière. D'accord. Il faut l'empêcher qu'il nous attrape. Il peut pas nous faire de mal, mais c'est un test. Et voilà. Et une carotte de plus. Carotte d'or de plus. Voyons voir. Vous pouvez déplacer certains objets avec la fonction « pousser ». Ces objets pourront être utilisés comme marchepied pour atteindre un objet ou une plateforme. D'accord. Il faut utiliser la touche R1 pour pouvoir pousser, comme ceci. Voilà. Pour pouvoir soulever, il faut utiliser la touche R1 comme j'ai fait pour la grosse caisse. Et on peut fusionner les deux caisses pour qu'on puisse entièrement les soulever. La force de Bugs Bunny est il peut être dans toutes les limites, à toute épreuve. De toute façon, dans le monde des Looney Tunes, c'est toujours pareil. Ils ont aucune limite et beaucoup trop d'imagination pour pouvoir y arriver. Mais je ne justifie pas sur leur apparence et sur leur force ou quoi que ce soit. Bref, dans le monde des Looney Tunes, c'est que la pagaille, les fous et aussi l'amusement parfois. Et faire rire le public. Maintenant que j'ai une autre carotte, ça en fait 3. Il en reste 7. Ça a bugué un peu. Un instant, je recommence. Tant pis. En fait, il voulait dire... Vous pouvez utiliser des objets comme des maillets pour rassembler un ennemi. On peut l'utiliser sur... ici, en fait. Il fallait évidemment utiliser le maillet pour pouvoir... comment? Pour pouvoir utiliser sur cette... sur ce genre de jeu, quoi. Bref. Rebondissez sur des ennemis pour atteindre des objets ou des plateformes inaccessibles. Ok. Un de plus, encore 5. Oh, ça recommence. Il dit rien. Là, il veut dire qu'on peut ramasser des objets pour qu'on puisse les balancer sur un ennemi.
sur des objets explosifs comme les boîtes de TNT sans être blessé, utilisez la fonction « oreille » pour atterrir en douceur. Ici, il faudra que j'utilise la touche cercle pour descendre comme un hélico comme ça. Voilà. Ce n'est rien, c'est juste pour avoir la carotte d'or. Il en reste deux. Voyons voir. Pour éviter de réveiller quelqu'un, utilisez la fonction pointe des pieds. Elle peut aussi être utilisée sur des sols fragiles. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut utiliser la touche cercle. Non, trop loin. Et voilà. Encore un. Sauter et utiliser la fonction plongeon au-dessus d'un trou. Ça a bugué encore. Il faut utiliser la touche R1 pour pouvoir, en sautant, pour entrer ici. Il peut passer n'importe où. Et atteindre la carotte d'or qui est ici. Et pour pouvoir ressortir de sous terre, il faut trouver un trou libre comme ça. Mais à chaque fois que Bugs Bunny avance, il a tendance parfois à sauter tout seul quand on est tout près du bord. Et je m'excuse pour les bugs parce que ma PlayStation est très vieux en fait. Prenez celui-ci pour commencer votre quête. Il ouvre l'âge de pierre. Entrez-y et là, choisissez une des entrées ouvertes. Visitez chacune d'entre elles et rapportez les pendules cachées qu'elles renferment. Premier pendule acquise. Génial! Merci Merly! Y a autre chose? Oui, bien sûr. Prendre des carottes augmentera votre énergie. C'est tout pour l'instant. Nous nous rencontrerons probablement de nouveau dans le temps. Voyager à travers les âges est un de mes passe-temps favoris. Je vous en apprendrai davantage plus tard, voyageur du temps. Au revoir. Oui, au revoir, Merly. Ramasser des symboles? Pourquoi pas? Après tout, ils se sont moqués de l'homme qui a découvert la pénicilline. Toujours avec des gags, Bugs Bunny, mais bon. On va pouvoir se lancer dans le temps, de nouveau, et de quitter nulle part, et commencer l'âge de pierre. Il faut 120 pendules pour qu'on puisse ouvrir de nouveau ce passage. Voilà l'âge de pierre. Et ici autre chose, il faut 30 pendules dans celui-ci. Là il en faut 5. Et celui-ci il en faut 15. 40 pour celui-ci. Et c'est tout. On y va, l'âge de pierre. Pour pouvoir débloquer celui-ci, tu peux avoir cette carotte dorée pour 99 carottes, c'est donné. Ah oui, on peut récupérer les carottes normales pour obtenir enfin la carotte d'or. Il court et court le lapin, il y a 9 réveils et 22 carottes dorées. Ok, on entre. Il court, il court, le lapin. Aujourd'hui, on chasse le lapin. Oui, lapin, lapin, oui, oui. Hey! Quoi de neuf, docteur? Lapin, lapin.
Ça commence bien pour Bugs Bunny. Le chasseur veut envoie ses subordonnés pour attraper le lapin. Mais bon. La montagne des dinosaures aux dinosaures. Faut toujours essayer de bouger. Ok. Et une chose, si vous tombez dans le vide, c'est toutes les points qui tomberont. Et n'approchez pas des cactus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On ne peut même pas les débarrasser. Ah, une pendule juste en dessous. Génial. Un de moins. Et il y a une chose, les dinosaures volants, on ne pourra pas les recevoir malheureusement. Pour vous rassurer en fait. Bref. Le pont du brachiosaure. Sauter dessus. Les panneaux peuvent être utiles pour pouvoir les lire. Ici, je me souviens qu'il y a un ennemi ici. Eh ben voilà, il m'a vu. Aïe! Quel idiot! Et hop là! Faites attention à ça, il y a parfois des enclumes qui peuvent tomber sur la tête. Oh oh. Hop. Un terrier de lapin quand même. Notre pendule, ici. Génial. Voilà. On peut utiliser deux manières de monter. On peut utiliser les trampolines. Soit monter sur le museau du brachiosaure. Plus simple et efficace. Et une chose, vous n'êtes pas obligé de chercher après les carottes dorées. Ou... Vous êtes obligé, ça dépend si vous voulez faire tout le mode de jeu en 100%. Point de contrôle. Aïe! Et hop! Un de plus. Oula. Hop là. Oups, je suis tombé. Mais quand même, je reviens au point de départ. Il m'a vu. Ils sont vraiment maladroits ceux-là. Mais bon. Voilà. Aïe! Cactus. Si je peux me fier au temps de la vidéo, pour 30 minutes, ça sera 3 niveaux. Génial! Selon la vitesse que je vais faire. Une autre pendule trouvée. Une autre carotte. Aïe! Du balai!
On peut déplacer la caméra avec la touche L2 et R2 en même temps. Oula là 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 là! Je suis tombé. Encore une enclume qui tombe. Non, je suis tombé. Ah, caméra. Je crois qu'on entend le chasseur. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser... on ne peut pas le vaincre, mais on peut faire... On peut frapper sur la tête. On peut faire comme ça. Loupé. Génial. En même temps, je peux recevoir cette pendule. Oulala, là là, j'y ai failli. Surtout de pas tomber. Voilà. Passe, 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 passe. Non, je suis tombé. Heureusement que les vies sont limitées ici. Et hop. Yana. Voilà. Et une pendule de plus. J'ai assez pour débloquer un monde et que je peux y rentrer tout de suite, mais j'irai après. Maintenant que j'ai achevé ce niveau, on va pouvoir évaluer... Ah mais non. Non, il y en a un autre. La falaise des... Je n'avais pas très bien lu, mais c'est pas grave. Attends, il en reste combien? Il en reste 3 pendules et... 4 carottes dorées. Voilà un autre. Loupé. Tiens. Génial. Et un de plus. En même temps à faire le 100, à 100% le niveau, mais ça dépend de chacun. Pardon. Chut, vas-y tout doux. Les ptérodactyles endormis ne peut pas déranger. Je vois. Il faut rester prudent et passer juste derrière le pterodactyle. Et là, on voit à gauche la fin du niveau. Si on réveille le pterodactyle, il peut nous amener quelque part. Mais je méfie. Thank you.
Voilà. Génial. Toutes les pendules sont là. Il ne reste plus qu'à... Attends, je regarde. Ça y est, j'ai tout. Hey! Allez, je me fais avoir à chaque fois. Je suis déjà à 26 minutes et j'ai le temps de faire un autre niveau après celui-ci. Oh oh. J'étais un peu trop vite. J'ai été un peu trop vite. Tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Et voilà. On est revenu au point de départ. À l'âge de pierre, comme ça on va évaluer notre niveau. Fantastique, absolument parfait. Vous avez terminé ce niveau. Eh oui. J'ai débloqué un bon coup de pied, ça y remet les idées en place. Et qu'est-ce qui se passe à notre monde ? Laissez-moi sauvegarder votre position. Sauvegarder ? Bien sûr, Merlin. Et voilà. Merci, Merlin. On peut maintenant faire le prochain niveau qui est ici. Un beau coup de pied, ça vous remettra les idées en place. C'est parti! Là, on va affronter de nouveau le chasseur. Surtout pas un seul bruit. Je chasse le lapin. Youhou, lapin. Yep. Youhou, lapin. Aïe. Yep. Bang. Oups, je n'ai pas su arriver à temps. Youhou, lapin. Aïe. Et hop. Bang. Dans le mur. Ouch. Youhou, lapin. Aïe. Tiens. Et c'est gagné. Le chasseur est éliminé. C'était rapide, mais quand même, j'ai réussi à avoir toutes. Je vais pouvoir quitter le niveau et passer à un autre. Et pour dire, je pense que j'ai assez pour voyager dans une autre niveau. Ok. Fantastique, absolument parfait. Vous avez terminé ce niveau. La piste du trésor. Un autre niveau. Je vais sauvegarder un peu plus tard. C'est parti pour voyager de nouveau dans le temps. Le temps des pirates. Avec Sam le pirate, évidemment. Ok. Voyons ici. Alors, tu dois avoir cette carotte dorée. Voilà.
Oui, c'est la même chose en fait. Il faut 99 carottes pour pouvoir ouvrir. Enfin, révéler le carotte d'Ori. C'est parti pour qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Doc? Voilà Sam le pirate. On dirait qu'il cherche après un trésor. C'est à moi! Reviens ici, espèce de cybermutant ambulant! Toujours aussi maladroit, Sam le pirate. Ok, on est parti. Obtenez 5 de ces objets pour recevoir un symbole de pendule. Sur les quais, Merlin nous propose que nous devons trouver 7 des boîtes rouges. 5 boîtes rouges en fait. Désolé que j'ai dit 7 parce que par erreur j'ai compris que c'était 5 à la place de 7. Mais bon. Des crabes qui lancent comme des pinces comme des boomerangs. N'importe quoi. Du balai, crabe. Ok. Voilà une des boîtes rouges. 1 sur 5. Et hop. Et il y a une chose aussi, c'est que certains niveaux ne peuvent pas être à 100%. Voyons ce que c'est. Ouvre l'œil. À gauche. C'est gagné. Génial. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a des gouvernails, on peut les faire tourner pour ouvrir un passage. Ici, on peut déplacer les caisses. Attends. Hop. Voilà. Hop là. Facile. J'ai tombé dans... J'ai tombé en même temps que j'ai récupéré le pendule. Aïe. Ouch. Loupé! Ouch! Non, je suis tombé dans l'eau. Faut que je retrouve une casquette de Merlin pour que je puisse prendre le checkpoint. Point de contrôle en fait. J'étais aspiré par la palourde que j'ai réussi à lancer la perle comme il faut. Là, il faut viser 3 fois sur la cible pour pouvoir comment? Pour pouvoir abaisser le pont entièrement. J'ai lancé maladroit.
Attends. Et hop. C'est bon. Des tonneaux de bois. À mon avis, c'est Sam le pirate qui balance les tonneaux. Tiens, tiens, tiens. Et une torche. Utilise la touche action pour t'en emparer. Ah ben, c'est parti, vite. Tant pis. Il faut le balancer. Enfin, il faut allumer la torche. Aïe. Il faut débarrasser le pirate qui lance les tonneaux. Dommage. Voilà, c'est bon. Dommage pour le pirate, il s'est propulsé. Attends, voilà. Voilà. Je suis déjà à 35 minutes, je fais vite. Ok. Attends. Il fatigue vite. Mais si je me fie avec ça... Pff, il s'est fait avoir. Et voilà. J'ai peut-être une idée. Si je sauvegarde directement, je peux arrêter la vidéo ici. Voilà. Salut à toi, voyageur du temps. Laissez-moi sauvegarder votre position. Bien sûr, Merlin. Merci, Merly. C'est là que je vais arrêter la vidéo. J'espère que cette première partie vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager à ceux qui sont fans du rétro gaming. Et surtout, n'oubliez pas que la passion jeux vidéo et rétro gaming continue. À suivre dans la prochaine partie de Bugs Bunny.